traiter le Gironda est un traitement intéressant par lui-même et d'autant plus intéressant quand on le place dans un contexte de synergie. Il faut bien comprendre que le traitement de la silhouette, ce n'est pas si simple que ça. C'est réduire des volumes, donc en gros, perdre du tissu graisseux. Bien sûr, au passage, on rappellera que quand un régime est nécessaire, il ne doit pas être négligé, mais c'est aussi agir sur la texture de la peau, le relâchement, le côté parfois que les patients appellent un peu ondulé, de la peau irrégulier, des zones de fibrose. Et donc, on a cette double indication, réduction des volumes et raffermissement de la peau, amélioration de la texture. Alors, c'est complémentaire parce que parfois, quand les bourrelets sont plus marqués et bien limités, il est vrai que la cryolipolyse est aujourd'hui la technique qui s'est imposée pour, par exemple, les poignées d'amour, un bourrelet sous le nombril. Mais par contre, à mes yeux, la cryolipolyse n'est pas un traitement qui peut être réalisé de façon diffuse. On n'aurait pas des résultats réguliers, le traitement serait trop long. Donc il fallait cette technologie qui soit capable, également quand c'est plus diffus, par un ventre rond, un empattement des cuisses, eh bien il fallait cette capacité à traiter de grandes superficies, d'une part, mais également sans provoquer de relâchement, et le Honda agissant de façon progressive tout en raffermissement de derme donne cette double progression sur le bénéfice au niveau des volumes graisseux, mais également l'amélioration de la texture de la peau qui se traduit par du raffermissement par exemple. Alors, le Honda peut être utilisé en première intention, comme tu disais, pour la cellulite, mais ça peut être aussi un traitement complémentaire, par exemple un bourrelet disgracieux localisé, on va dans un premier temps traiter en cryolipolyse, et parfois il y a, on se veut qu'il y ait un petit relâchement cutané et on va améliorer les résultats avec le Honda. Mais la plupart du temps, le Honda est une première indication et marche très bien à lui tout seul.